Ancienne vie, voici la première chose que le mari riche de Muriel Blanche lui a interdit de faire. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Mariage de Muriel Blanche. Muriel Blanche se marie dans quelques jours et elle voulait le garder secret. L'influenceuse va s'unir avec le directeur général de NXBET Cameroun et les révélations sortent de partout. Le lanceur d'alerte Jacques Jorels en balance des choses à la figure de Muriel Blanche. Toutes les femmes sont belles. Il suffit juste d'avoir le bon téléphone avec les bons filtres pour faire de très belles photos, comme Muriel Blanche. Quoi qu'il en soit, félicitations à toi pour ton mariage. J'espère juste que ce n'est pas le remake de Biscuit de mai que tu comptes nous faire à la suite. Car je sais toute l'énergie mentale qu'il t'a fallu pour ne pas publier ton bonheur vu que ton fiancé te l'a strictement interdit, car il ne veut plus trop d'exposition sur la toile, car n'eût été son interdiction c'est que ta page Facebook allait seulement nous rappeler toutes les secondes que tu vas te marier, car tu mourrais d'envie de brandir ce nouveau diplôme. J'espère donc, sachant ton tempérament et ton amour pour les réseaux sociaux, et le m'as-tu vu que tu sauras donc être une épouse, comme il faut, et arrêter ton bling-bling, et la vente du rêve aux naïves personnes, qui te suivent comme une église réveillée. Que tes braves comprennent donc, que la vraie vie c'est loin des réseaux sociaux. Muriel Blanche, virgule, malgré tes efforts de cacher ton mariage, les informations autour de cet événement, sont connues depuis par plusieurs personnes. Ça fait 3 semaines par exemple que je sais que tu dois te marier en Tanzanie dans l'île de Zanzibar. La liste des INVITE accent aigu est, jusqu'au menu du mariage je connais, une liste très restreinte et de personnes triées sur le volet. Point virgule, les tenues de votre mariage je connais déjà, l'heure du mariage et surtout le lieu cela m'a été communiqué. Même les noms de vos témoins de mariage, c'est venu me trouver inbox. Néanmoins, ce qui me surprend, c'est le motif pour justifier ton mariage hors du Cameroun. Tu as dit à tes proches que tu as peur que les Camerounais gâtent ton mariage. J'espère que tu parlais des braves, car consciente que ce sont tes propres fans qui peuvent le faire, et pour des raisons dont toi seul connais. Car sans vouloir te vexer, ma chérie, les Camerounais ont tellement mieux à faire de leur vie que de s'occuper de la vie d'une non-âme comme toi qui ne représente strictement rien au Cameroun et pour eux. J'avais prévu parler de ton mariage après le 02 août, mais bon, vu que d'autres ont vendu la mèche avant, ça ne sert plus à rien d'en parler le jour J. Je te souhaite en toute sincérité les vœux les meilleurs pour ton mariage, car tout le monde en définitive a droit au bonheur. Que ce soit un vrai et réel mariage d'amour avec plein de bonheur, Muriel Blanche appréciera.